Bon, maintenant vous le savez, le Venom Training Camp, c'est du cross-training, du karaté et plein d'autres sports de combat. Et notamment du kickboxing et du muay thai, bien sûr. Et ça, c'est mon domaine. Et vous allez me demander quelle est la différence entre le kickboxing et le muay thai. Moi, je vais la faire simple. Le kickboxing, on utilise les poings et les jambes. La boxe thai, c'est la fameuse boxe des 8 membres. Les pieds, les genoux, les poings et les coups de coude, bien sûr. Soyez un peu sérieux, s'il vous plaît. On est là pour bosser. On commence toujours par un peu d'échauffement. Enfin, un peu, moi, c'est beaucoup. Et on augmente le rythme cardiaque un peu plus, beaucoup, beaucoup plus. Il souffre, hein, en tout cas. Et après, avant d'attaquer les choses sérieuses, ne surtout pas négliger le temps de repos. C'est le bon moment pour faire des abdos, des pompes, du gainage. Mais je suis pas méchant, en vrai. Et ensuite, c'est la technique, le travail du shadow. On répète les combinaisons dans le vide. Et on vise une parfaite maîtrise. Gauche, droite, uppercut, genou, kick, coude. Entre nous, ce que je préfère, le low kick à la robe Kamal. Ça fait mal, hein. On s'égare, les amis. Hein. Reprenons. Après le shadow, on travaille au sac. C'est le moment de se défouler. On frappe, on donne tout et on s'éclate. Et certains même se mettent à crier. Non, non, pardon, ça c'est du karaté. En Muay Thai, c'est plutôt ça. Yes. Bref, vous avez compris, on termine tranquille. On fait des pompes, on fait des sauts, on fait des squats, mais surtout des abdos. La vie, quoi. Venez nous voir au Venom Training Camp, ça va être dingue.